Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Dune Spice Wars, toujours avec nos amis les Atreides. Petite question, celui-là me donnait aussi 1000 d'hégémonie. Ah non, 500 d'hégémonie, celui-là. Les centres de recherche ont 200% de production de ressources. Hein, ce serait peut-être intéressant. Ah bah j'en ai un, très bien. Ici, ça c'était 1000 d'hégémonie, c'est ça, oui. La construction d'un extracteur d'eau, celui-là c'est quoi? Usine de place crit. Ah, il donne rien l'impact, d'accord. Et celui-là, il donnait quoi? Il donnait 500 d'hégémonie et plus de 100% pour les usines de traitement. Usine de traitement. D'accord, oui. D'accord. On est reparti. On va repartir tout doucement. Oui. Alors, on était à quoi en hégémonie? On est à 87. À 8,7. Mais j'étais à plus de 10, non? La dernière sauvegarde. Attendez, j'ai sauvegardé, j'étais à 10k et je suis plus à 10k. Le jeu. le jeu. Je suis très content. Mais ouais, donc ça fait que là, je suis plus là par... Bah si. Attendez, il y a un... Alors, ça va peut-être recalculer. Hein. Ça va peut-être recalculer. Ça va peut-être recalculer. Quand on va lancer la partie, mais apparemment il y a un petit bug sur l'hégémonie. On recalcule. Voilà, ok. On l'a vu d'un coup, j'ai fait plus 3. Ok, je ne sais pas pourquoi. Révolte en cours. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Oula, d'accord, attendez, mais le rechargement de la partie a foutu le bordel. Parce que j'ai plus d'eau. Pourquoi j'ai plus d'eau? On n'a pas l'air. Enfin. Pourquoi j'ai plus d'eau? Mais j'avais de l'eau à la dernière. Bon, ça va aller, on va se calmer. Le jeu, voilà. Hein. Bon. Atelier d'artisan, bah sinon je saute ça et puis je remets de l'eau. Hein, parce que, bon, c'est pas que ça me plaît pas de pas avoir d'eau, mais... C'est quand même mieux d'avoir de l'eau, quoi. Donc, alors, attendez. J'avais de l'eau à la fin de la dernière. Ah là là là, le rechargement qui te fout dans le brin. Je ne suis pas trop pour. Mais ça, c'est l'early access. Hein. Donc, on va se calmer. On va dire que c'est l'early access. Alors, ressources en eau insuffisantes. Bah ouais, bah, j'en avais assez, le jeu. C'est toi qui as triché, qui m'a retiré mon eau. Donc, non, je ne suis pas d'accord. J'en avais assez à la dernière sauvegarde. Moissonneuse inactive. Où ça? Tu te redéploies, voilà. Agent non affecté, oui, toi, ah oui, non, c'est vrai, il faut cliquer, c'est pas un cliquer de déposer, c'est juste un cliquer. Alors par contre, je voulais voir un truc. Charte, action, les actions au CHOM. Qu'est-ce que c'est les actions CHOM? Un rapport sur l'épice, ouais, ça oui. Bon, on l'aura, ça c'est pas un problème. Ah non, mais foutre le bordel chez les gens, faire des opérations, ça coûte pas. Alors attendez. Si je fais, je vise ici. Est-ce que ça compte comme une action au CHOM ou pas? Non. Donc les actions de terrain ne donnent rien. D'accord. Allez, tuez-moi ces paysans. Oula, j'ai pas mal de ralentissements là, je ne sais pas pourquoi. Bon, le jeu, hein, comme on le dit, est toujours en early. Donc, il faut quand même savoir raison garder. Alors, attends, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Révolte, ok. Ressources insuffisantes en main-d'œuvre, oui. Combat en cours, oui. Tempête de sable, oui. Trouble, oui. Bah, deux minutes le jeu. Deux minutes, tu as triché, je te le rappelle. Tu m'as enlevé mon eau gratuitement. Voilà, hein, donc tu vas te calmer. Moi, je te le dis tout de suite. Voilà, maintenant, on a de l'eau. Très bien. Construction achevée, oui. Lieu stratégique examiné, oui. Alors, qu'est-ce qu'on pouvait faire là? Ok, reprendre ça. Super. Conseil au Landstat. Autorité plus 30%, oui. Attends, je commence à dépenser mon influence parce que j'ai masse influence, donc... la faction élue gagne. J'ai plein d'influence, c'est 500 maximum, donc...
Hop, voilà. Ok, très bien. Alors, par contre. Oui, ça j'étais en train de l'acheter et là on va pouvoir mettre un extracteur d'eau qui fait plus 60 d'eau, un truc comme ça, je crois. Si mes souvenirs sont exacts. Toi, tu vas aller faire ça. Ok, c'est bon, là il n'y a plus de troubles, ils ont compris. Ok, très bien. Ça, eux, ils m'embêtent pas. Ok, ça c'est en train d'être acheté. Celui-là. Mais il se fout de moi, le jeu. Il se fout de moi. Il se fout de moi. Sérieusement, quoi. Bon. Celui-là, maintenant, je peux le resupprimer, alors. Ah, le jeu qui se fout de ma gueule. Pardon. Non, là, je suis pas content parce que j'ai fait un rechargement. Évidemment, vous vous doutez bien que je ne vais pas faire tout le let's play en une seule séance de tournage. Donc, j'ai sauvegardé, j'ai arrêté le jeu, je l'ai relancé. Et ça fout le bordel. Ok, donc, faut faire attention quand vous rechargez votre partie. Parce que ça fout le boxon. Voilà, il faut le savoir. Il a du mal à tout recalculer. Donc, faites attention à ça. Toi, tu es inactif, bah, déploie-toi. Voilà, donc bon, vous le savez, vous le savez. Résoudre, ok. Agent non affecté encore? Mais je n'ai combien de... J'ai deux... Ah oui, parce que j'ai gagné le truc au CHOM, au Landstat, d'accord. Bah écoute, toi tu vas aller chez eux, et toi tu vas aller chez eux, et puis voilà. Ok, ouais, donc les votes. Les votes, si je détectais, ok. Les votes, c'est où? C'est là. Ah mince, j'ai pas eu ces deux-là. Mince. Mais ce n'est pas grave. Œil du conseil. Ouais, mais non, mais je les ai tous normalement. Enfin, je comprends pas. Je ne comprends pas ce truc. Ça doit être un bug de condition, parce que normalement, quand j'ai 10K, c'est ça. Hein. Non, c'est pas là. How can I help? Attendez, 10K d'hégémonie. Vous pouvez ignorer les conditions requises pour les chartes, à l'exception de la réputation auprès du Landstat. Donc techniquement, je suis partout sur les chartes. Normalement. Je comprends pas. Bref, je ne comprends pas trop comment ça fonctionne. Il y a peut-être encore des petits bugs, hein, early access, tout ça. Ne vous inquiétez pas, tout sera réglé. Mais ce serait bien d'avoir l'info, s'il vous plaît. Là, ça me donnerait quoi? De l'hégémonie, tiens. Hop, vas-y. Va m'analyser ça, je veux de l'hégémonie. Et si je pouvais en même temps aller me chercher le village qui est là, ce serait pas mal. Ok, donc ça, ici on avait dit que ça donnait rien. Hein. Si, ça, non, ça donne rien ici, à part des solaris. Ouais. Ici, ça donnerait quoi? Rien, non plus. Mais nous, on veut de l'hégémonie, nous. Nous, on veut gagner la partie. Bon, on est premier, tranquille là. On a 2000 d'hégémonie d'avance, tout va bien. Ok. Ça, c'est bientôt à nous également. On va pouvoir y mettre de l'hégémonie, nous sommes contents. Et nous sommes très contents de ça. Désolé pour cette petite pause. Mais un truc intéressant que je viens de voir. Alors bon, s'il y a un bug, on va peut-être leur remonter que quand on recharge la partie, ça bug pas mal. Mais regardez ça. Seed 150 machin là. Et ben, ça veut peut-être dire qu'on peut faire des parties seedées plus tard. Hein, ils vont peut-être pouvoir mettre les seeds. Ça serait intéressant. Qu'on puisse. Alors pourquoi c'est intéressant les parties seedées? C'est intéressant par exemple pour des événements en multilan où vous êtes à plusieurs à jouer sur le jeu. Ça peut être intéressant. Bref, reprenons la partie. Voilà, bon, bref. Vers des sables detected. Oh vite, rentre à la maison. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Red detected. Oh, mais cette ville qui se fait raider tous les 2 minutes? Sérieux? Je sais pas, ils nous aiment pas ou quoi? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Et toujours pas venu? Durée 3 jours? J'ai demandé à un ornithoptère de venir, non? Il me semble, hein?
semble que je lui ai demandé. Bref, après je vais peut-être de le demander, hein. Vous savez, moi, si ça fait plus de 3 secondes et demie, vous savez que j'ai oublié. Tac, j'ai une moissonneuse normalement inactive, pas encore, elle n'est pas encore considérée inactive, très bien, si, voilà, voilà, tu te redéplaces. Bon, après vous voyez que, bon, on peut mettre des équipages supplémentaires, on voit que, en fait, j'ai tellement de moissonneuses que je n'en ai pas besoin. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on me dit? Vers des sables détectés, en queue? C'est fou ça. Je n'ai que ça. Trois gardes du Landstadt. Ah ça par contre je vais le prendre. Président du conseil. La faction élue gagne. Permet de remplacer aléatoirement une résolution pendant la phase de proposition. D'accord. Ou d'entretien en eau plus 30%. D'accord. Bah très bien. Si tu veux mon ami. On est à plus 13. Toujours pas... Voilà. Donc là normalement je devrais avoir 14. Hein. Direct. 14.2. C'est cela oui. Ah... Très bien, donc ici normalement je peux mettre un super extracteur d'eau plus 50 d'eau, paf pif pouf, dans ta bouche. Paf pif pouf, vous connaissez cette fameuse phrase du paf pif pouf. Ah non mais sortez pas de... Ah là 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 là, les imbéciles ils vont mourir. Qu'est-ce que ça tombe vite les réserves, qu'est-ce que ça tombe vite. Attention quand même à vos réserves, vous avez vu à quel point ça tombe très très vite. C'est fou, hein. Vous, mettez-vous là. Ouais, vous passez juste à côté d'un verre des sables, les gars. Vous le savez, ça. Allez, on y va. On va se soigner. Ok, toi. Tu vas te redéployer tout de suite. Voilà, merci. Mon ornithoptère, il a fini de d'étudier ça. Non. Alors, il me semble que je t'avais demandé, Jackie. Tu vas te dépêcher s'il te plaît. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Village assiégé, on s'en fout. Nouveau conseil, on s'en fout. Révolte en cours. Mais pourquoi? Pourquoi j'ai une révolte ici? Dites-moi. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai de l'eau. Mais pourquoi j'ai plus d'eau? Encore une fois. Ça n'a pas de sens. Pourquoi j'ai encore une fois plus d'eau? Où vous allez là? C'est pas grave. C'est bon, ils sont tous morts. Ok, vous retournez là. Ah là 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 là. Ça devient saoulant cette histoire d'eau qui monte, qui descend. Je comprends pas. Bon, on va perdre tout le village, super. Ah, quoique, elle se défend, gourmande là. Bon, voilà, là j'ai de l'eau au moins. Bref. Force des vents 1, donc ça sert à rien d'avoir ça. Cellule de carburant, non, bah, tu vas refaire un truc d'hégémonie. Hein. Moi, vous savez. Ok, vous allez aller là. Dépêchez-vous. Ah, oh, mais arrêtez de passer par là. Ils sont chiants. Et mon ornithoptère, là, il est où? Ah bah quand même. On a perdu le village, super. Pile au moment, alors vous voyez que j'ai mon ornithoptère qui arrive, il y a quoi qui arrive en même temps? Une tempête. Je vois que on voit que j'ai de la chance. Hein. Et déjà direct, vous avez vu, 3 miliciens à l'intérieur. Quoi. Mon ornithoptère est mort. Bah il est où? Attendez. Il a disparu. Alors il est pas mort mais il a disparu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, bon, il y a des trucs qu'on comprend pas beaucoup, hein. Ah oui, c'est vrai, non. On peut se mettre là, parce que là, on peut pas l'attaquer. Alors, mon ornithopter n'est pas mort, mais il est pas venu. Tu vas venir ici? Ah non, c'est une unité militaire, pardon. J'ai fait de la merde. C'est moi. T'as pas l'habitude, hein, que ce soit des ornithoptères. Que ce soit pas des ornithoptères justement. Non, c'est moi. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. J'ai rien dit. Toi. Déployer. On passe notre vie à déployer et à déployer nos... Mince, ils ont déjà plus de vie. Mais... Comment ça se fait ça? C'est hallucinant ça. Ça descend à une vitesse.
Les réserves, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Ah, ils sont morts carrément, quoi. Ils ont pas eu le temps de revenir. D'accord, non, mais tout va bien. Mais reste dans, dans l'aura, imbécile. C'est fou, ça. Hein. C'est fou, c'est fou. Allez, on va mettre un ranger derrière. Ah, j'aurais peut-être pas assez de manpower. Agent non affecté. Hop, hop, merci. Nouveau conseil. Ah oui, non, mais j'ai même pas voté. D'accord, ok. J'ai complètement oublié d'aller voter. J'étais pris sur autre chose, donc voilà. Ça, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas une alerte plus importante pour ça. C'est une autre histoire. Alors, hop, tu vas mettre par contre, voilà, manpower plus 4, parce que je sais pas si je vais encore en avoir beaucoup. En vrai, ah ouais, d'accord, ça reste. Ah. Donc on peut faire des petits allers-retours comme ça. D'accord. Moins 0,3. Bon, j'ai bien fait de prévoir un truc. Ok. Ah oui, non, mais regardez à quel point ça te descend vite, quoi. À peine arrivé, ils sont déjà à la moitié. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi ça descend aussi vite? Il y a quoi? Il y a un malus ici? Ah! Oui, réserve moins 300%. D'accord, je comprends mieux pourquoi ça descend si vite. D'accord. Allez prendre ça. Voilà, ça c'est à moi. J'ai décidé que c'était à moi. C'est vous! C'était à nous avant. Hein. Le jeu m'a retiré encore une fois de l'eau, je ne sais pas pourquoi. Attends. Ornithoptère, viens ici. Ah, ils ont découvert toute la map, c'est ça que ça veut dire? Alors, oui, oui, prenez le village. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Vers des sables détected. Mais on s'en fiche. La personne. Alors, il n'y a pas un village là? Sérieusement? D'accord. Alors, ça. Oui, de l'épice si tu veux. Nouveau village contrôlé. Merci. Donc, ce village, maintenant, qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Eh bien, déjà, on va y remettre de l'eau. Quoique de l'eau, on en a assez maintenant, donc on n'est plus obligé d'en mettre. On va mettre une usine de place crite, pour commencer. Allez. Ah oui, non, mais en fait, là, il n'y a rien du tout. D'accord. Alors, ah oui, non, ici, ils ont découvert toute la map. D'accord. Après, on voit que ça a été quand même long. Hein. Je veux dire, ça a pris quand même un certain temps de découvrir toute la map. Oh, il m'ennuie à me balancer du poison et des conneries. Il m'ennuie. Parce qu'en plus, ça me fait rien, quoi. Enfin, je veux dire, ça me tue pas. Donc, c'est juste pour m'enquiquiner. Enquiquineur. Ah oui, alors nouveau conseil du Landstat. La faction élue gagne. Ah, mais ça je veux ça. C'est quand? Dans 3 jours, d'accord. Construction achevée, d'accord. Lieu stratégique examiné, ok, 2 minutes. Cellule de carburant, on n'en a pas trop besoin. On va refaire un truc d'hégémonie. Mais ça m'enlève des ressources, le truc de poison. C'est pas ça empêche, c'est ça vous enlève. C'est pas la même chose, le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, bon, elle rentre quand même. Très bien. Ouais, bah, eux, ils ont plus rien à faire. Eux, ils n'ont plus rien à faire. À part aller me chercher des trucs comme ça. Ils n'ont pas grand-chose à faire. Est-ce qu'on peut les tuer maintenant? Par exemple, lui, si je le détruis, voilà, je vais démanteler cet ornithoptère. Parce que ça ne me sert plus à rien d'en avoir 12 000. Donc, ah oui, donc on peut les démanteler comme ça, d'accord. Oui, bah pourquoi pas en fait, en vrai. Là, il n'y a rien. Là. Donc il faut à peu près 2 heures
Avec 2 ornithoptères, il faut à peu près 2 heures pour découvrir toute la map. C'est ça que ça veut dire. Alors. Non, je peux pas encore voter. D'accord. Lui, pourquoi il récupère pas celle-là? Ses ressources. C'est le seul qui n'en a pas récupéré. Je ne sais pas pourquoi lui n'en a pas récupéré. Alors. Si vous deux vous y allez, qu'est-ce que ça va me dire? Lieu stratégique examiné. Donne-moi l'argent. Merci pour l'argent. Moissonneuse inactive. Tu y retournes. Demande de communication. Mais bon, ça, on s'en fout. Parce qu'en vrai, les demandes de communication, ça ne sert à rien. Ok. Taxe acquittée. Bah oui, forcément. Nous, on s'acquitte tout le temps de la taxe. Parce que ça nous donne de l'hégémonie hein, de s'acquitter de la taxe. Attention, c'est très important. Par contre, action chum, je sais pas ce que c'est. Allez, 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 revenez. 40%. Ah, je sais pas s'il faut en envoyer une ou deux. Je sais pas si ça va plus vite si on en envoie deux. Mais... Ah, Landstat. Très bien. Maison Atreides, oui. Donne-moi des gardes du Landstat. Ouais, ça si tu veux. Ça, je le rejette. Je spam. Ça, pareil, ça je vais spammer. Et ça, je vais spammer, allez. On va gaspiller un peu d'influence. Construction. Pile au moment où mes gars, ils arrivent, quoi. Sérieux? Ça, c'est pas, si ça, c'est pas bien, bien joué de la part de l'ordinateur. Voilà. Hop. Hop là, le petit ver des sables, toujours, qu'on aime, hein. On aime les vers des sables. Allez. 300, je suis à combien de places crête? 600, allez hop, vas-y, construis-moi ça. Et tu vas me mettre ici un petit piège avant, parce que j'ai peur des bugs d'eau. On va aller chercher celui-là aussi, intéressant. Récompense un ornithoptère. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Raid détecté. Je m'ennuie. Ah mais c'est pas possible. Vous avez vu? Encore un ver des sables qui vient me bouffer une unité, quoi. C'est fou, ça, hein? C'est fou, quand même. Le nombre de fois que j'ai des unités qui se font bouffer par les vers des sables... C'est violent, hein. C'est violent. Donc activité normale des vers des sables, c'est peut-être un peu violent en vrai. Je trouve qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve qu'il y en a quand même pas mal. Un peu trop. Et toi tu vas là-bas, toi tu vas là-bas. Après c'est mon avis. Hein. Agent ennemi capturé. On peut capturer les agents ennemis, d'accord. D'accord, ah on sait c'est conseillé, d'accord. Ok. C'est bien, je connais ses conseillers, quoi. Bon, bah, tant que je suis premier, moi, ça me va. Hein. Donc, ici, hop, 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 zéro, tu rentres. Quoi? Go. On va y aller comme ça, hein, parce qu'apparemment, c'est ce qu'il faut faire pour celle-là. J'ai 2 moissonneuses inactives. Pas assez visuel, les alarmes sur les moissonneuses inactives. Ça, c'est sûr. Dépenser 500 crédits. Il y en a quoi? De l'autorité? Oui. Comme ça, je pourrais acheter des villages plus vite. Ah, ça peut être pas mal de spammer ça, si on en voit souvent, des trucs comme ça, quand on est à Atreides, parce qu'on peut acheter des villages. Ensuite, on va la voir. Lieu stratégique examiné. Oui! Résoudre. 268 d'hégémonie. En vrai, c'est pas dégueulasse, hein. Faut avoir 25 000, hein. Donc c'est pas 268, c'est pas si dégueulasse que ça. Allez. Hop, toi tu vas rester là. Est-ce qu'on irait pas tabasser un peu les ennemis? Hein? Un ornithoptère pour avoir des renseignements. Un agent détection de l'emplacement d'un sitch. Ouais. Ça m'intéresse que moyennement. Quoi qu'il a peut-être mis des tourelles à... Ouais, il a mis des tourelles à missiles aussi, voilà.
Je pense qu'on a compris que maintenant on va plus trop se taper dessus. Manque peut-être d'unités mécanisées dans le jeu. Hop là, on se met bien sur le... voilà, mettez-vous là. Ça manque peut-être un peu de mécanisé, d'unités mécanisées dans le jeu. Peut-être. Ouais, on peut plus chez les Fremen, voilà. Ah, on peut avoir son pognon. Ah, il est en max en place crit. Il perd de l'argent, intéressant. D'accord, lui n'a pas du tout d'influence, quoi. Et il perd beaucoup d'argent. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Très bien. Et lui ne doit pas réussir bien souvent son épice, notre ami. Et c'est normal, il n'a plus rien. Il n'est plus que là. Voilà, il n'a plus que ça. choisir, voilà. Merci pour l'autorité. Donc, une avancée militaire. Donc maintenant que je peux... Ah oui, donc je peux acheter des trucs ici. L'emplacement d'un siege, est-ce que ça m'intéresse? Non. Ici, il y a encore de l'épice. Hein. En vrai, pourquoi pas. Ici, il y a des solaris. Mais en solaris, on est bien. En épice, on est plus que bien. Place crit, peut-être. Ouais, on va aller chercher le place crit. Voilà. Ça, maintenant, c'est à moi. Le fait d'acheter les villages, c'est tellement pété. Sérieusement. C'est vraiment, vraiment pété. Nos amis, les Harkonnen, sont là. Ah, ils ont un grand terrain. Ah, mais les Fremen sont coupés en deux. D'accord. Ah. Ça se déplace, ça se bat entre les Fremen et les Harkonnen. Intéressant. Bon, on n'est pas trop emmerdé par les attaques des ennemis. Ouais, on va dire ça. Alors, Kul Amin. Ok. Donc ça, voilà. Donc là, on va perdre de l'eau, tout ça, tout ça. Je n'ai pas assez de cellules d'énergie. Donc déjà, tu vas construire ça. Voilà. Un bâtiment de cellules d'énergie, on en construira un. Parce qu'il nous en faut, donc on va le faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Construction possible dans votre base. Ah, on a assez de pognon. C'est ça qu'on est en train de me dire. J'ai mis pause, il me semble. Connaissance plus 3, connaissance plus 30%, coût d'entretien des centres de recherche moins 30%. Et ça va nous donner quoi d'avoir ça? Solari plus 10%. Ouais, vas-y. Hop là. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors. Perte de 200 d'influence et 100 Solari. 1000 Solari, pardon. Bah ouais. Ah, est-ce que c'est ça les actions Chom? Non. Alors, mais j'ai trop de renseignements, je sais pas quoi en faire. Ah, c'est pas mal ça. Cessez le feu, interrompt et empêche les combats, les hostilités pendant 2 jours, ok. Ravitaillement, et puis ça, et voilà. Ça, tu vas me débloquer ça, parce que pourquoi pas. Hein. Alors, toi, t'es sous verre des sables. Ah, vous avez vu le nombre de fois qu'il y a des verres des sables? Il y a trop de verres des sables, je pense. En normal, il y en a quand même pas mal, hein, on va pas dire, on va pas se cacher. Oh, l'ornithoptère, oh, vite! Donc on voit que des fois il y a des trucs qui peuvent popper. Très bien, c'est intéressant. Et tout le monde qui y va, parce que tout le monde a exploré toute la map. Ouais, je veux savoir ce qu'il y a là-bas. Truc d'essence. Truc d'essence, il est où? Il est là. Très bien. Ça va bientôt être un mot aussi, on pourra mettre du place crit. Encore plus. Toujours plus. Bon. On va peut-être se mettre à aller taper quelqu'un là, parce que là, ça me démange. Oh là, 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 oh là.
Qu'est-ce que c'est que ces unités-là près de ma base? J'apprécie pas trop beaucoup ça, monsieur. Verre de sable détecté, ouais, mais c'est pas grave ça. Opération ennemie détectée. Ah, il aime bien mettre du poison, lui. Hein. Ah, le Fremen, il aime bien le poison. Hein. C'est ça que t'es en train de me dire, le Fremen? Mmh. Quoi? Ah oui, parce que j'ai pas assez de commandement. D'accord. Alors, ça, c'est quoi? Les Solari, ouais, si tu veux. Hop. On va prendre une avancée, ce sera peut-être mieux. Ok, ça tu vas me faire plus 1, tu vas me mettre... qu'est-ce que tu m'as fait? Vote au conseil. Alors, production de Solari et d'eau. Perte de droit, toutes les chartes activées sont abrogées. Non, ça je le rejette. Je ne suis pas d'accord. Et non, ça je le rejette aussi. Je ne suis pas d'accord. Vote au conseil, construction achevée, moissonneuse inactive. Siege découvert, c'est très bien, on est content. Ouais, donc le place crit ici, ce sera fait. Alors. Alors. Bah, moi je vais taper, moi. Mais après, eux, ils sont des unités invisibles. Là, c'est fourbe de Fremen dégueulasse. Après, est-ce qu'on... Allez, on peut essayer d'aller taper la base principale. Hein. On va voir ce que ça fait. Hein. Allez, on va tenter d'aller taper une base principale. Là, j'étais en pause. Allons-y. Voyons voir ce que ça fait. Oh, j'ai un ornithoptère qui va se balader là-bas. Très bien. Alors là, il y a encore un désert profond dégueulasse, là, à moins 12 000 de réserve, là, pour mes unités. Horrible. Alors, est-ce qu'on est toujours en train de faire des recherches? Oui. Alors, il me faudrait les recherches pour plus d'armées. Point de commandement, plus 8. Ah bah voilà. Hop, fais-moi ça derrière. On va essayer d'acheter plus d'armées. Juste voir ce que ça fait d'aller taper une base principale. On sait, à mon avis, on va se faire défoncer le cul. Ah non, d'accord, on les a pas encore. Le vote est dans 3 jours. Je croyais qu'on les avait. Moi, je vous dis qu'on va se faire défoncer le cul. Mais ça, c'est ma vision des choses. Ici, il y a de l'épice encore. Et il aime bien. Hein. Il s'acharne un peu sur moi quand même. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Très bien. Ça, et non, il faut 425 de place crit, on les a pas encore. Mais on va les avoir bientôt, quand on aura ceci. Voilà. Donc ça, c'est à moi. Mais ce qui est bien, c'est que comme il l'avait bien développé, parce que ça, c'est un truc qui a été libéré. Eh bien, qu'est-ce qu'on me dit? Vers des sables détectés. Où ça? Oui, mais ça, c'est une... C'est pas grave. Nouveau village contrôlé. Ça, on sait. Construction achevée. Ok. Donc, maintenant, j'ai ça. Solari plus 10%. D'accord. Très bien. Moissonneuse inactive. Tu y retournes. Au niveau... Ouais. Ha, ha, ha. On a le pognon. Plus 100%, voilà, ça va être bien. J'ai beaucoup de manpower. C'est intéressant. Mais je ne peux rien en faire. Si, je peux acheter des équipages de moissonneuses. Alors, étant donné que j'ai masse pognon et que je gagne masse épices, est-ce que ça m'intéresse? Non. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Encore un verre des sables, mais c'est pas possible. Il n'y a pas 2 secondes de jeu sans un verre des sables, quoi. Et on était en normal. Alors, je veux même pas savoir ce que c'est verre des sables élevé. Vous vous souvenez qu'on pouvait même être élevé, hein. Alors, j'ai bien envie de relancer une partie juste pour qu'on voit ce que c'est élevé. Parce que là, c'est un peu violent quand même. Tu peux pas partir 5 minutes sans 12 verres des sables. Quoi? Construction achevée, oui, plus de place crit. Très bien.
Alors, tu vas mettre une tourelle parce que on sait jamais, il y a des ennemis. Ah merde. Je me demande si elles vont pas se tirer dessus. Raid détecté, où ça? Ils vont sur laquelle? Sur celle-là, c'est ça? J'arrive. Nanana. C'est là. Tous, parce que là, il y en a, ils vont faire ça et ils vont tous mourir. Ne vous inquiétez pas, ils vont pas prendre le village en 2 secondes. Vous allez là. Voilà, de toute façon, on a un petit peu de milice. C'est un village qu'on avait acheté. Rappelez-vous. Alors, est-ce qu'ils vont pas se tirer dessus, les bâtiments? Je ne sais pas. Je sais pas. Hop, un petit peu d'hégémonie aussi. Voilà. Là, nous, on arrive. Voilà. Allez, on y va. Yahoo! Et maintenant, bah vous allez tous mourir, bande de méchants, bande de mécréants. C'est notre ville. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a un siege ici. Hein. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Encore un ver des sables? C'est pas possible. Trop de ver des sables. Beaucoup trop de ver des sables. Non, mais ce qui est bien, c'est que les, voilà, les bâtiments se tirent pas dessus. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Quoi? Oh, encore? Mais... Vous avez eu, c'est instantané. Instantané. C'est fou. Alors, attendez. Ranger, soldat. Ah, mais si, je peux faire des gardes du Landstat maintenant. Attends. Oui. Garde du Landstat. Inébranlable. Vas-y, mets-en-moi un petit peu là que je vois ce que ça fait. Et pourquoi j'ai le droit à des gardes du Landstat en fait? Je suis, je sais plus quoi du Landstat là. Ah oui, je suis syndicat des marchands d'eau, je suis œil du conseil et je suis juge. Et lui, il est président, mais ça, on s'en fout. Gouvernance de Dune, 33 sur 38 régions. D'accord. Et on est à... Ah oui, bon, on a largement d'avance sur nos ennemis. Pour ça, bah achetons celui-là, voilà, également. Encore, regardez ça, là, le ver des sables. Saloperie. Qu'est-ce qu'on me dit encore? Ver des sables détected. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un peu moins de ver des sables, s'il vous plaît? Cela m'arrangerait beaucoup. Ok. Donc ici, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Renseignements, on s'en fout, influence, on s'en fout, connaissance, on s'en fout. Ah mais on peut mettre autant de tourelles de missiles qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Opération ennemie détectée. Oui, bon, ça on a compris. Ah ouais, non mais en fait, je peux mettre bien... je peux mettre plein de... de lance-missiles. D'accord. Qu'est-ce que je vais mettre ici en dernier bâtiment? Je ne sais pas moi. Alors on met une base de missiles? Ouais. Voilà. En mode vas-y viens. Je suis prêt. I am ready. Comme ils disent. Ah c'est loin à construire par contre les gars du Landstat là. Mais ça a l'air fort. Donc on va en mettre un deuxième. Alors. Quoi ils ressemblent? Oh là là, qu'ils sont beaux. Ils sont beaux. 150 de réserve, 6 d'armure, 700 PV. Ah oui, non mais d'accord. Ah oui. Ah oui. On est sur ce type d'unité. Bon après ça a l'air d'être des unités de corps à corps, donc on va regarder par rapport à une unité de corps à corps. Ouais, ils ont beaucoup plus de PV, beaucoup plus d'armure, mais en termes de dégâts, ils sont pas non plus... Oversheated. C'est intéressant à voir. Ok, bon. En termes d'hégémonie, on est à plus 12. Bon, voilà. On a compris que nous sommes hégémoniques. Hein. En fait, ici, je dois toujours mettre une raffinerie. Mais je n'ai pas le place crite. Donc, on va aller arnaquer les gens. Alors, comment on va regarder qui on peut arnaquer? Alors, par exemple, les Harkonnen, ils ont plein de place crite, mais ils n'ont pas de Solari. Donc on va essayer de leur acheter
Alors, si je te demande du Plascrit, mon ami, regarde. What do you want? Alors, si je te demande, voilà, 400 de ça, et que je te fais, regarde, hop, un petit peu de ça, et un petit peu de ça, voilà. Alors, donc, je peux baisser un peu les Solari. Voilà, regarde, hop. Le sac à merde, jusqu'au bout, il gardera son argent. C'est mon argent. Mais, je vois que l'épisode a bien assez duré, parce que ce jeu est prenant. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.